Notre patrie à nous, c'est nos villages, nos hôtels, nos tombeaux, tout ce que nos pères ont aimé avant nous. Notre patrie, c'est notre foi, notre terre, notre roi. Mais leur patrie à eux, qu'est-ce que c'est? Vous le comprenez, vous? Ils veulent détruire les coutumes, l'ordre, la tradition. Alors, qu'est-ce que cette patrie nargante du passé, sans fidélité, sans amour? Cette patrie de billboards et d'irreligion? Beau discours, n'est-ce pas? Pour eux, la patrie semble n'être qu'une idée. Pour nous, elle est une terre. Ils l'ont dans le cerveau, nous l'avons sous les pieds. Il est vieux comme le diable, le monde qu'ils disent nouveau et qu'ils veulent fonder dans l'absence de Dieu. On nous dit que nous sommes les suppôts des vieilles superstitions. Faut rire, mais en face de ces démons qui renaissent de siècle en siècle, sommes une jeunesse, messieurs. Sommes la jeunesse de Dieu, la jeunesse de la fidélité. Et cette jeunesse veut préserver pour elle et pour ses fils la créance humaine, la liberté de l'homme intérieur.